Monsieur le corps du diaconat, chers frères et sœurs de l'Église baptiste de l'habitation Hâte, chers frères et sœurs, les membres de la chorale des Pliennes, mesdames et messieurs, distingués invités. Ce jour que fut le Seigneur, c'est un jour d'allégresse et de joie. Nous prions, Alléluia. Mon âme se réjouit dans le Seigneur, et mon esprit est rempli d'allégresse. C'est un grand jour pour la chorale d'adoption de célébrer notre 10e anniversaire d'existence. 10 ans d'efficacité, 10 ans au service de l'Église, 10 ans de vivre ensemble. Tout d'abord, permettez-moi de vous faire un petit rappel d'histoire de cette chorale. Qu'il me soit permis avant tout de rendre un grand hommage à celui qui a créé en nous des lumières, son intervention, son dévouement, son savoir-faire pour m'instituer cette magnifique chorale. Je veux citer Jacques Wilbert Joseph et regretter mémoire. Son sens créatif a permis à ses frères et sœurs d'emboîter le pas. Le 4e dimanche de l'année 2013 et jusqu'à ce jour-là. Je veux en aucun sens oublier nos frères et sœurs Diacre Chassius Roméis, sœur Edith Kazner de Roubaix de Moi, Maestro Jean-René Lego de Roubaix de Moi, et enfin sœur Margaret Jean, mon successeur. Nous voulons aussi témoigner notre gratitude envers nos supporters, nos anciens membres de la chorale Rédemption, ceux qui vivent à l'étranger, mais qui portent Rédemption dans leur cœur. Chers frères et sœurs, je profite de cette occasion pour vous dire combien vous êtes chers à la chorale. Grâce à vous, nous avons surmonté des moments difficiles. Rappelez-vous combien nous étions découragés, abattus et même prêts à abandonner parce que la tâche était extrêmement difficile. Pour vous autres qui avez intégré la chorale au cours des dernières années, laissez-moi vous dire, les péripéties n'avaient pas commencé lors de votre intégration. C'était déjà une lutte de longue date. 10 ans d'existence, c'est vraiment beaucoup. Pour nous, cette estimation se fait dans le but pour montrer comment la situation a été précaire pour nous. Et grâce soit rendue à Dieu, nous sommes là. Nous sommes plus que maintenant. Je salue le courage de notre maestro actuel, dont il m'a alerté. Maestro, merci. Enfin, mes frères et sœurs de l'Ancien, mes chers collègues comité, je suis reconnaissant pour vos sacrifices, vos souffrances endurées, soit pendant cette décennie, soit pendant les dernières années. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Oui, nous sommes dans la joie. Je vous remercie.